l'approche d'une autre aile pédiatrique. Il y a de fortes chances pour qu'elle soit gardée. Prépare-toi. Quand tu te seras débarrassé d'eux, envoie-moi un signal en utilisant le bouton d'appel. Et je viendrai. Je crois que je vais pouvoir m'occuper de l'eau du ballast. Je pense avoir suffisamment d'adam pour nous permettre de quitter Rapture. Retournons à la plateforme d'embarcation. Allez, vite, papa! Tu as donné à Eleanor la volonté de choisir. Mais ce virus se transmet à la vitesse de l'éclair chez ces innocents. La conscience de soi est une malédiction, Delta. Et c'est toi qui en es la cause. Lorsque l'homme m'a engagé pour trouver un moyen d'atténuer la douleur, ma première idée a été d'endiguer sa propagation neurale. Les premiers résultats étaient prometteurs. Jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que certaines fillettes mâchaient leur langue à longueur de journée sans s'en rendre compte. Nous avons dû les isoler pour éviter que les autres petites filles ne paniquent inutilement. La vérité va là. Ce patient est complètement fou!
J'entre dans le ballast. Quand tu seras prêt à commencer, approche-toi de la vitre. Mais n'oublie pas, une fois l'opération lancée, on ne pourra plus faire machine arrière.
serais prêt à arracher ma fille unique à son foyer et à sa famille, et à la livrer à un monde sans espoir. Non, je préfère encore que l'utopie meure avec elle. Et avec nous tous. Adieu, Eleanor. Ailleurs, je t'attendrai. Ils arrivent, papa. Retiens-les tous jusqu'à ce que l'eau se soit évaporée. Je viens t'aider à combattre. Utilise le plasmide. Réussi, papa. Il n'y a plus d'eau dans le ballast. Tu peux libérer le bathyscaphe. L'ascenseur qui mène au bathyscaphe est inondé. On doit équilibrer la pression ici pour pouvoir ouvrir. Réussi! On va pouvoir remonter! Dépêche-toi d'aller au bathyscaphe! Vite! Thank you.
Et voilà, papa. Le rêve de rapture est fini. Tu m'as appris que le mal n'était qu'un mot, une douleur qui nous modèle à sa guise. Pour toi, le pardon est une victoire. Tu as fait des sacrifices. Tu as souffert. Lorsque tu en as eu l'occasion, tu as pardonné. Chaque fois. Maman pensait que ce monde était perdu. Elle avait tort, papa. C'est nous qui sommes l'utopie. Toi et moi. Et en pardonnant, nous lui avons ouvert la porte à elle aussi. Le rêve de rapture est terminé. Mais en m'éveillant, je revis. Ce monde n'est pas prêt à m'accueillir. Et pourtant, je suis là. Comme il serait facile de me méprendre à leur sujet. Tu es ma conscience, papa. J'ai besoin que tu me guides. Tu seras toujours à mes côtés, papa. Tes souvenirs, tes désirs. Quand j'aurai besoin de toi, tu seras à mes côtés. Une toute petite voix, à peine perceptible. Si l'utopie n'est pas un lieu, mais un peuple, alors notre choix doit être consciencieux. Car le monde va changer. Et dans notre histoire, Rapture n'était pas la fin, mais le début.